Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mai. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Sachez que hier, votre guidance générale vous a été offerte, donc tout simplement cliquez en haut à droite de votre écran. Ici va apparaître un petit point i ou une bande noire si vous avez raté votre guidance général. Sachez mes amis, la famille, que tout simplement je vous offre une guidance générale et une guidance sentimentale dès le lendemain, et à 19h chaque soir elle est là pour vous, pour casser cette croyance limitante que vous êtes seul. Vous êtes ici avec moi, donc vous n'êtes plus seul. Quand vous vous sentez pas bien, Fab est là. Retenez bien ceci. C'est la communauté que je suis en train de créer avec vous tous, et je suis extrêmement content que tu nous rejoins. Voilà, c'est parti, on y va sans plus tarder, parce que le plus important, évidemment, c'est ce qui va ressortir de cette guidance sentimentale. Allez, on y va. Donc le plus important est de toujours, toujours poser une intention le plus positif possible. On va souffler sur les cartes pour qu'elles soient neutres, et on va envoyer l'énergie, le magnétisme, et on va ensemble poser cette magnifique intention pour que cette guidance vous amène tous les conseils pour vivre une vie unique et authentique. Pour que cette guidance pour vous, mes chers amis béliers et ascendants, puisse vous amener un maximum de réponses, un déclic, une ouverture, une conception, une perception de voir les choses différemment. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr. J'espère que en ce moment tu passes un merveilleux instant présent ici en ma chère compagnie. On se sent bien détendu. On y va. Que se passe-t-il pour toi au niveau sentimental, mon cher ami? Ici on a, et c'est magnifique, la première des lames du totem, du chamanisme, des visions de la vie au-delà de la mort. On indique ici que tu es quand même une personne initiée qui travaille déjà dans le bien-être. Peut-être magnétiseur, naturopathe, ou en reconversion professionnelle pour aller dans le bien-être. On a ici la chouette blanche qui t'indique cette puissance que tu vas réussir si tu as une vision claire sur ce que tu veux réellement, en laissant de côté ton passé qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. À l'heure, cette guidance va être extrêmement puissante pour toi. La deuxième lame ici t'indique un cœur. Une nouvelle fois,
de te tourner vers ce côté spirituel, vers ce côté créatif, vers ce côté d'amour inconditionnel. Si tu veux te faire respecter, tout simplement respecte-toi toi-même. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, il va falloir arriver à t'aimer davantage et à voir les priorités. Quelles sont tes priorités à l'heure actuelle? Est-ce que tu aides beaucoup les gens qui, pour la plupart, ne te demandent rien et qui, pour la plupart, ne veulent même pas de ton aide? Est-ce que tu perds ce temps inutile à consacrer à eux? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? D'ailleurs, c'est cette lame du totem, mon cher ami. On t'indique ta vision, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. Est-ce que ça en vaut la peine de toujours, toujours avoir cette même vision en permanence répétée? Comme si tu regardais encore et encore et encore un film extrêmement mauvais tous les jours. En as-tu conscience? Dis-moi-le en commentaire. Quelle est cette vision que tu as? Est-ce que tu veux avoir plus d'amour, d'avoir plus à l'heure? Il va falloir se concentrer sur tes propres priorités et laisser de côté certaines choses, certaines personnes qui ne veulent même pas de ton aide et qui, par derrière, te jugent, te critiquent. Alors, je te demande encore une nouvelle fois à travers cette guidance sentimentale, est-ce que ça en vaut la peine de perdre du temps avec ces personnes-là? Dis-moi-le en commentaire. Oui, non, je ne sais pas. Plus tu vas prendre de notes, mieux ce sera. Ne me crois pas, teste-le. Telle est la loi de l'attraction. Quand tu mets en action, c'est comme si tu avais déjà réussi la moitié de ce que tu avais fait. Donc, marque en commentaire, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Oui, non, je ne sais pas, où autre chose, ce qui te vient spontanément, ici et maintenant. Waouh, elle est extrêmement puissante, cette guidance. J'en ai des frissons rien que pour toi. J'espère que tu le ressens. Suivez votre propre rythme. La vie est une danse. La vie est en mouvement. Et il faut accepter ses hauts et ses bas. Il faut accepter que tu es différente. Il faut accepter que tu es beaucoup plus que ce que tu penses être, mon ami. Tu as cet amour en toi. Partage-le avec les personnes qui le ressentiront. Quelle est ta priorité aujourd'hui, mon ami? Suis ton propre rythme. Beaucoup de personnes te diront de faire plus. Mais peut-être que ton propre rythme est de faire moins, car tu en fais déjà
Beaucoup. Tu en fais peut-être trop. Tu t'éparpilles peut-être trop. Trop gentil, trop ceci, trop cela. Écoute les personnes autour de toi, ce qu'ils te disent. Et tu comprendras beaucoup de choses par la suite. J'espère que tu es encore là, que je ne t'ai pas endormi. Dis-moi là en commentaire ce que tu ressens là, maintenant, spontanément. Quelle est maintenant ta vision de l'amour véritable? Est-ce que tu ressens quelque chose en enthousiasme? Dis-moi-le là, maintenant en commentaire, je suis là pour ça, pour te redonner cet élan d'amour, car l'amour est là en permanence. Tout est énergie. Je t'envoie toute cette énergie. J'espère que sincèrement tu la ressens et que tu vas maintenant rayonner après cette guidance, si c'est la journée, de te sentir bien et de sourire à la vie et de faire confiance en la vie. De faire confiance, même si on t'a trahi depuis pas mal d'années, de te faire confiance et de me faire confiance. Chaque personne qui vient me consulter a une entière confiance en moi. Et je suis vulnérable chaque jour. Je fais le premier pas pour te montrer que j'ai confiance en la vie. Maintenant, c'est à toi de venir voir par toi-même ce que tu peux faire davantage. Est-ce que ça en vaut la peine? Toi seul peux le savoir. La quatrième lame ici maintenant est le calice, l'accomplissement. Tu vois, je n'ai même pas besoin de toutes ces cartes, de ces oracles. Je suis médium depuis pas mal d'années. Et je sais, car j'ai cette claire connaissance, ce qui est bon pour toi. Ce qui va être primordial dans ta vie. On voit ici le totem. On voit ici le deuxième totem. Et ici, on voit le calice, l'accomplissement que tu vas faire en mettant de côté beaucoup de choses qui te sont inutiles à l'heure actuelle. Ici, on a la lame de la prospérité, la couronne du blé. Cette phrase correspond, bien sûr, évidemment, tu auras compris, à la semence, à la prospérité. Tu reçois ce que tu as semé. Chaque guidance, chaque vidéo que je fais jour après jour est-elle une graine d'amour que j'envoie à l'univers? Et j'espère sincèrement que cette graine que je mets ici à disposition, elle sera partagée, partagée encore et encore, et qu'elle perdurera dans le temps. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là. En partageant, tu vas m'aider et je t'aide en retour. On est tous ici sur cette terre pour s'améliorer, pour progresser. Et grâce à ton soutien, grâce à ton aide, grâce à ce partage et à
tout simplement cette connexion entre toi et moi, tu pourras relier d'autres choses, d'autres personnes, en souriant à la vie, en augmentant ta confiance en toi, les gens autour de toi te trouveront changé. À l'heure, tu verras un accomplissement, parce que tu auras décidé de changer par toi-même. Et bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus en profondeur et trouver l'amour véritable, l'amour qui te correspond, une transformation intérieure, elle sera nécessaire sur le long terme. Je suis un transformateur de vie. Je transforme ma vie, la vie de mes enfants et la vie de ma communauté, jour après jour. Et j'espère sincèrement que dorénavant, toi aussi, tu vas me soutenir, me suivre et t'abonner. Et toi aussi, progresser. C'est le plus important pour un bonheur durable. Tu as ici encore là, cette dernière lame est une lame bonus. Cette lame, je l'appelle la clé de l'harmonie. La lame de la sorcière, de la guérisseuse. En choisissant cette transformation intérieure, tu viens de subir une transformation. En es-tu conscient? Consciente, je t'ai envoyé un message de thérapie, un message qui va te soulager, qui va impacter l'intérieur de ton âme. J'espère sincèrement que tu l'as ressenti. Je te remercie de ton soutien, de ton abonnement et n'oublie pas, surtout, de suivre ton propre rythme. Et je l'espère sincèrement que tu vas mettre de côté ce fichu passé.